Oui, salutations YouTube, on reprend l'aventure Tales of Iron. En fait, on a terminé le jeu, mais j'ai encore envie d'y jouer. Et là, il se trouve qu'il y a plein de choses à faire après la fin du jeu, à savoir notamment des bagarres. Là, on va se faire de nouveau un combat d'arène. Et ensuite, il y a un tournoi, apparemment, carrément. Un tournoi qui est organisé côté Royaume des Rats. Donc, on ira voir ça juste après. On va commencer par l'arène. Et donc, l'arène, c'est quoi? C'est celle-là, c'est Onde Sauvage, donc une sélection de créatures sauvages. Tout vainqueur serait un véritable champion de l'arène, donc sous-entendu, a priori, ce serait le dernier. A priori. À mon avis, ils vont nous envoyer des salves d'ennemis. On va regarder ça. Allez, c'est parti, on va se tenter ce combat-là. Avec toujours Jabba the Taupe derrière. This would be a true challenge, unleashing wave upon wave of foes on Reggie. I hope he had the iron to go the distance. Ah! Okay. Après, ils vont m'en envoyer combien? C'est ça le problème. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des sauts de ouf. Wouah ! Ah oui ! Aïe. La petite parade au bon moment. Ouch. Oh, il m'a pas touché, mais c'était pas loin. Hein. Ah, j'ai esquivé là. Ah, je vais mourir là. Je vais mourir. Oh oui. Wow. Reggie stood over his defeated foes. He had truly earned his status as a legend of Moltown. He wondered if he preferred glory to duty. Waouh, je m'y attendais pas. Hein. Je pensais que là c'était vraiment foutu. Attends, est-ce que c'est fini? Compléter faction de l'arène. Impeccable, on a fini l'arène. Winnie la légende de Topville. Bah écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir le tournoi là, ce que ça dit. Allez, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'on va se taper dans ce tournoi? Bon, j'imagine que ça va être des rats principalement, si c'est un tournoi pour fêter le fait que... Enfin, qu'on ait obtenu la couronne et qu'on ait restauré le royaume. J'imagine que ça va être des rats. Ah, mais il y avait un coffre ici. Pourquoi il est pas indiqué? Il est pas indiqué sur la map. Ça, c'est zéro par contre, les gars. Ah! Ah, c'est un lapin! Oreille grise de moustache blanche. D'un bond, oreille grise bondit dans l'enceinte du tournoi. Ah, en plus, c'est que des mecs super forts. 5 étoiles. 5 étoiles. Et lui, Captain Blacktail. Excellent. Habituellement en voyage sur les trois mers, le Captain Blacktail a fait une apparition spéciale au tournoi. Ah ouais, donc il y a des VIP là. Hein. Y a des VIP. Attends, mais moi, j'ai rien contre les lapins par contre. J'ai pas d'équipement contre les lapins. J'ai contre les Mozi moustiques.
Mais pas contre les lapins. Bon, on va tester le lapin, là, vas-y. On va lui faire sa fête. Rabbits of white whiskers had sent their most agile warrior. It would take more than a hop and a skip to overcome the formidable gray ears. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être méga dur. Oh, il est trop stylé. Mais en fait, c'est un lapin que je voulais jouer depuis le départ. C'est pas un rat. Alors attention, on va regarder ce qu'il fait. Ok. D'accord. D'accord. Ah oui, il redescend comme ça. Ok. Ouf. Ouh, d'accord. Très bien. Waouh, en fait, il combine des patterns de d'autres persos que j'ai vus en fait jusqu'ici. Qu'il fait là. Ah oui, quand il fait ça, faut vraiment s'éloigner. Oh non! Sérieusement? Yeah. Oh non, j'ai gardé trop tôt. Non! Ah, je suis en train de... Ma concentration est en train de lâcher, là. Allez, allez, faut mourir! Oui! Hair, hair. Gray ears put up a hardy challenge. But his grand hops were no match for Reggie's iron will. Honnêtement, je trouve que je le mérite presque pas parce que j'ai pris beaucoup de coups. C'est ouf comment on tank quoi avec cet équipement. Sa vie descend assez vite. Ouais, franchement, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de fenêtres pour le taper. Et sinon, sa vie descend vite. Alors déjà, du fait que je pense que c'est le premier de l'arène. Et en plus de ça, on est très très bien stuffé. Hein. Là, on a vraiment des armes qui font très très mal. Et en plus, je lui mets du poison, donc... Donc ça fait encore plus de dommages. Il ne l'a pas fini. Non, parce que je pense que ça doit être un tournoi amical, tu vois. Pas sûr qu'il y ait de mort à la fin. Non, je pense que c'est vraiment en mode tranquille, tu vois. Le petit tournoi pour fêter le nouveau royaume. Alors, Captain Blacktail. C'est parti. Treacherous pirate, notorious for his adventures across the three seas. Reggie wondered if he was as fearsome on land. Par contre, je suis en train de me dire, ah oui, si je veux reprendre du poison, je peux pas là, quoi. Bon, bah tant pis, on va le faire sans poison. Ça fera un handicap supplémentaire. Et merci pour le godet, hein, j'ai bu du coup, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oh, il est stylé aussi, hein. Ok. Il tire dessus, très bien. Ouais. D'accord. Pour l'instant, ok. On part. Quoi ? C'était quoi ça ? C'était bizarre.
Ah oui, d'accord. Moi aussi, je peux tirer, hein. Hop, il a l'air vraiment plus facile que l'autre, hein, celui-là, pour le coup. Easy. Ah, par contre, il a pas dit son dernier mot. Ok, c'est bon, une petite parade. Et c'est fini. Scurvy Sea Rat put up a good fight. But Reggie thought the captain might be better off sticking to the ocean. Oh, le petit troll. C'est bon, ça. J'espère qu'il y en a d'autres. Je suis désolé, je l'arc à moitié entre le taf et l'échec. Mais il n'y a pas de soucis, donc Fastidius. Attends, tu fais comme tu veux et comme tu peux, il n'y a pas de problème. J'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie que ça s'arrête et je sens que ça va s'arrêter très vite. Enfin, ça dépend, remarque, hein. Ils peuvent nous en mettre 40, hein, des comme ça. Hein. Ça dépend. J'en verrais bien 5 ou 6, quoi. Merci pour le GG. Honnêtement, celui-ci était vraiment, vraiment plus facile. Hein. Bon, et si on se cognait les suivants? Alors, les suivants, il y a qui? Donc, frère Denis, le capitaine de la garde royale, a réglé ses comptes Denis et de retour pour un nouveau round dans l'enceinte du tournoi. C'est parti. Le frère Denis. Fully armed to the whiskers. He'd already lost one tournament and was determined he wouldn't lose. Voilà, mais franchement, moi j'adore les visuels typiquement. Moi, tu vois ce genre de scène, oh là là, mais j'achète tous les jours. Je trouve ça trop beau. Ok, la petite coup d'arbalète. La parade. Ah, j'ai paré trop tôt par contre. Okay. Ah, il a un bouclier à casser. Aïe. Ok, ça c'est bon. Tire dessus. Un petit peu de potion. Parade au bon moment. Lui, il est assez simpliste pour l'instant. Je me suis retourné au dernier moment. Ok. Aïe! Ouah, ça commence à devenir compliqué là, il accélère. Ça va être à court de potions. Ouf. J'ai esquivé, je sais pas comment. Ça n'a aucun sens. Aïe. J'étais un peu greedy là-dessus. Non. Putain, il vient tellement vite quand il fait ça. Okay.
Yes. C'est la win. En vrai, il était assez simpliste, mais il avait quand même des coups speed qui arrachent. Heureusement qu'on tangue bien. Alors je sais pas, on gagne plein d'or, mais en vérité, je sais pas à quoi ça sert tout cet or. Hein. Là, on en est à 44 d'or, mais j'ai pas vu où est-ce qu'on peut utiliser tout ça, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà acheté pas mal de choses. Allez, on va s'attaquer au suivant. Le suivant, c'est quoi? Ah, donc il peut y en avoir plein des comme ça. Hein. Là, c'est Avor, gardien des terres du Nord. Avor est plus habitué à protéger le royaume des bêtes en maraude qu'à combattre les rois dans les tournois. Ah, ça, c'est un mec de la street, ça. Il va faire des trucs, des coups fourrés. Of King Rattus. Side by side, the pair had fought frog scum together many times. Could Reggie live up to his father? Eivor was here to find out. Ah, ils sont deux? Oh, ils sont deux. Shit! Wow, ok. Ok. J'ai l'impression qu'il y a... Celui-là, il prend pas de dommages, si. Ah, il prend pas de dommages, lui, j'ai l'impression. Ah, si. Attends, j'ai pas compris. Il s'est barré, du coup. Il est pas facile à lire, hein, celui-là. On va se soigner parce que là, c'est un peu la merde. Je pense qu'on va pas le one try, le first try, celui-là. Hein. Ça m'étonnerait fortement et très mal. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça aussi. Mais non, j'ai esquivé là. Du mythos, hein. Oh, il me défonce. C'est difficile de savoir laquelle il va faire. Ok. Je vais jouer jusqu'au bout, hein, mais... passe. Mais non, j'ai esquivé. Ça va se jouer à rien du tout. Hein. Ça va se jouer à rien du tout. Non! Oh non, il a joué au golf avec ma tête. Deuxième essai. On va lancer toutes nos balles de chargeur. Ça, c'est fait. Aïe! Non, c'est bon. Il a pas fait celui qui me faisait peur. Okay, ça, c'est cool. Aïe!
Bordel. Oh, il a reculé au dernier moment. Allez, vas-y. Fais-moi du rêve, là. Oh, il a reculé encore. Oh, la parade, les amis. Meilleure parade que j'ai jamais mise. Incroyable. Ah, j'en étais sûr que j'allais me le bouffer celui-là. Oui! Deuxième parade incroyable! Ah oui, c'est bon! C'est la win! With Eivor happily admitting defeat, Reggie knew he had passed the old rat's challenge. The young rat truly was the people's king. Ah, c'était le dernier! C'était le dernier choix qu'on a gagné, les gars. Ouh. Reggie was presented with the king's key. It's a good thing Doug had eventually found it, as Reggie had been sorely tempted to break the lock himself. Mm-hmm. They say curiosity kills the rat. Donc on a enfin accès à la pièce mystérieuse. Et on a gagné le tournoi. Ça, c'est une première victoire. On va aller voir ce que ça cache. Il n'est pas impossible que ça cache de nouveaux combats. En plus, je me souviens plus si j'étais passé au Forgeron récemment. On va passer vite fait. Est-ce que j'ai encore des papiers bleus à donner? Je crois pas. Hein. Moi, j'ai plus rien. Ah, on peut entrer. Alors, qu'est-ce que c'est, du lore? The king's chamber smelled of fresh lilac and gooseberries, while the bed glistened with crisp silk sheets. Strangely, a slight breeze blew from behind the bookcase. Attends, qu'est-ce que c'est? Mais... Quoi? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là ou... Il a dit... Ah si, c'est ça, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ouah, le jeu est pas terminé. Qu'est-ce qu'on nous faire là? Oula. Oula. Ok. Donc ça doit être le boss de fin, quoi. Oh, les dommages qu'il fait. Pour le coup, on lui fait pas beaucoup de dommages. Ah oui, d'accord. Wouah! En fait,
fait, c'est un mêlée de plusieurs boss, j'ai l'impression. Pas le temps de me protéger là-dessus. Wow. Oh putain, je l'ai vu au dernier moment. Oh mais non, je me suis écarté exprès. Ah, ça sent pas bon là. Ah, je suis tombé dessus. Try. This half rat, half frog abomination must have been the work of his father. Reggie wondered whether this was the source of all the undead in the crypts. Another of King Radus's secrets, best kept hidden. J'ai pas envie que ça s'arrête, du coup forcément je vais aller quand même fouiller dans la crypte. Et à mon avis c'est fini les gars. Faut se rendre à l'évidence. Et qui cherche désespérément du contenu dans le jeu. Le drogué. Au secours. Au secours. Le truc c'est qu'il doit vraiment pas me manquer grand chose en plus. Hein. Ça doit tenir à pas grand chose. On va regarder, ça se trouve les derniers items qui me manquent sont en vente. Ah bah tiens. Il suffisait de demander en fait. C'est quoi? Plaque de la reine des larves. Nouvelle décoration pour l'arsenal de Reggie, faite à partir du cadavre de la reine des larves. Ok. Ah là j'ai des papiers bleus. Et bah voilà. Plaque du roi Mozi. Et on est bien. Là, ça les a ajoutés ici. Bon. Alors là on peut dépenser les papiers bleus, donc c'est ce qu'on va faire. Yes. Allez, le dernier. J'espère que ce soit vraiment le dernier. Après, apparemment, il y en a d'autres à faire. Hein. Attends, on va voir ce qui nous manque. Ok, donc il nous manque littéralement deux objets. Bon, et bah ça aurait été une sacrée aventure. Moi, là, c'était une session un peu particulière, forcément, parce que c'était une session après la fin du jeu, où on essayait de chercher ce qu'il y avait à grignoter en plus dans le jeu.
Moi, personnellement, c'est vraiment un jeu qui m'a plu. Donc, c'est pour ça que je voulais en avoir plus et je m'attendais à un contenu post-endgame qui soit un petit peu plus dodu. Mais bon, c'est pas grave, c'était mieux que rien. Il y a quand même des petits combats sympas. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette aventure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me commenter ça pour que ça me fasse du retour et savoir un peu ce que vous en pensez. Et puis, YouTube, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao, ciao, YouTube.